Et salut à tous les amis, comment ça va? On se retrouve pour la suite de notre aventure. Donc cette fois-ci sur The Lost Potato chapitre 2. Donc on va continuer notre aventure à la recherche de la patate perdue. Donc voici le spawn hein, tout simplement. Je viens juste de démarrer la partie. Donc on doit utiliser le ressource pack disponible avec la map. Donc c'est le ressource pack que j'ai actuellement mis. Enfin, il faut d'abord avoir joué au chapitre 1, ce qu'on a fait, on l'a terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut jouer en Minecraft 1.6 et enfin choisir notre difficulté. Alors d'abord, pour vérifier que on ne triche pas, bah voilà, on ne peut pas casser la barrière, donc c'est bon. Ensuite, on va prendre le livre des règles, on va le lire. Donc interdiction de placer de blocs, interdiction de tricher, ne pas prendre de levier ou de bouton. On peut casser que les blocs du mode aventure. Donc si on joue la map en multijoueur, ce n'est pas mon cas. Donc on va reposer le livre ici. Donc difficulté normale ou difficile, moi je vais mettre normal, hein. Voilà, ça nous suffira bien. Et sans plus attendre, on démarre notre aventure. C'est parti. Ah, oulala. Alors, allez-y, je vais prendre soin du cochon, alors que ça explose de partout. Donc si vous vous souvenez bien, c'est là où on s'était laissé la dernière fois. Voilà, on s'était arrêté juste ici, et on nous dit de nous évader. Et bah écoutez, sans plus attendre, on va essayer de s'enfuir, en évitant si possible de tomber dans la lave. Ce serait dommage pour le début de cette nouvelle map. En tout cas, le ressource pack rend très bien. Est-ce qu'on peut prendre ce qu'il y a dedans? Malheureusement. Ah oui, si, on peut. Stranger, no! Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a tout qui s'est effondré juste derrière nous. Donc, on va récupérer tout ce qu'il y a là-dedans. Et on va lire le petit livre. Alors, Dorléac doit garder sa pomme, la dernière pomme de terre, pardon, dans son armurerie afin de s'introduire. On doit trouver d'abord la librairie. Faites attention. Il est vraiment intelligent et fort. Et n'a pas peur de mourir. Ah non, vous devez être intelligent et fort, pardon, et ne pas avoir peur de mourir. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui est vraiment proche de Dorléac. Et elle m'a dit que le prince. Si le prince. Que le prince, pardon, a dit, si quelqu'un peut s'approcher proche de la dernière patate, je le tuerai. Voilà. En gros, c'est ce qui va se passer. Alors, on a récupéré tout. Checkpoint. Eh bien, écoutez, voici le premier checkpoint atteint. Ça nous permet de sauvegarder. Ici, nous avons des épées. Oula, il y a de la lave en dessous. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas, mais en même temps j'ai peur de tomber. Pour être honnête. Hop là, c'est bon, j'ai réussi quand même. Hop, alors ici on a une petite cellule. On va éclairer un petit peu. J'ai pas envie qu'il y ait des monstres qui nous attaquent. Alors que j'entends que une araignée est proche de nous. On va essayer de faire attention pour ne pas mourir. Puis bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Rien dans le coffre. Ok, donc on est venu juste pour rien ici. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Aïe 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 aïe, c'est quoi tout ça? Oh yo yo, j'aime pas ça. Alors, j'ai été empoisonné par une araignée. Il y en a d'autres qui sont au-dessus. Alors, il y a un peu plus de combats que dans la version précédente. Alors qu'elles sont en train de glitcher. Je vais peut-être en profiter pour m'en aller, moi. J'ai vraiment pas envie de combattre ces araignées. Bon écoutez, c'était un piège, on aurait mieux fait de pas y aller tout simplement. Hop là. Donc on va partir de l'autre côté. Voilà, ça m'apprendra à être curieux finalement. La prochaine fois je suivrai le chemin qu'on m'indique. Alors qu'ici il y a d'autres araignées. Oh là. Ok. Alors celle-ci, je veux pas qu'elle me touche, et bah c'est raté. Elle m'a eu. Il y en a une autre à côté. Voilà. Bon, et bah écoutez, pas mal de combats pour le début de cette aventure déjà, ça commence fort. On va avancer et oh là là, oh que j'aime pas ça. Alors là,
Ça va être très difficile. Je sais pas par où il faut que je passe. Est-ce qu'on peut passer là? Et merde. Eh ben écoutez, ça y est, je suis mort, ça commence bien. Première mort, au bout de quoi? 5 minutes de jeu? Allez, c'est pas grave, on va essayer de faire un petit peu mieux, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je sais pas du tout comment je suis censé passer en fait. Mais ça passe pas là, si? Non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Deuxième mort. Je l'ai un peu cherché celle-là. Alors, celle de l'autre côté. Voilà. On va s'avancer tranquillement. Enfin, si je retrouve le bon chemin, c'est pas gagné. Alors, on va essayer de passer de l'autre côté peut-être. Eh bah zut, raté. Voilà, ça peut durer un moment, hein, le saut sur les barrières là, ça peut durer un bon petit moment. Alors que mon ordi subit quelques lags. Désolé. Ah zut, je me suis coincé dans la toile d'araignée. Bah, écoutez, moi je pense que c'est bien par là qu'il faut aller. Mais là on peut pas passer. Zut. Ah là 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 là, c'est compliqué tout ça. Honnêtement, je sais pas du tout comment je vais réussir à franchir cet obstacle. Et est-ce que je peux, à votre avis, est-ce que je peux sauter directement là-bas? Moi je dis on va essayer. Oui, et eh bah écoutez, voilà. J'ai réussi. C'est un miracle. Ah bon, on va essayer de pas crier victoire trop tôt. Parce que rien n'est gagné. Hop, on va avancer prudemment. Alors là, je pourrais sauter comme ça, mais c'est super risqué. Alors j'essaye le coin là-bas. Et zut. Si je saute pas, c'est sûr, ça va pas le faire. Allez, c'est pas grave, on va réessayer. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va finir par s'en sortir. Alors, on va réessayer. Alors j'avais sauté d'ici, je crois. Hein. Hop là. Voilà qui est fait. Ouais, mais là je pourrais pas sauter ici. Je vais me retrouver coincé. Donc c'est pas par là qu'il faut aller. C'est bien ce que je craignais, va falloir sauter comme ça. Et hop là, c'est pas passé loin. J'ai failli me ramasser complètement. Hop là, là c'était bon, tranquille. Il y a le mur pour nous arrêter. Hop. Hop là. Et ensuite, je suppose qu'il faut qu'on tombe dans la flotte. Et voilà. Eh bien écoutez, on a passé le début. Ça n'a pas été facile, mais finalement on y est arrivé. Alors, j'ai quelques soucis de lag, je vais diminuer un petit peu la distance de rendu. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. Et ici, on arrive dans une pièce complètement bouchée. Ah non, il y a un petit passage ici. Ah, il y a l'échelle qui était cachée. Je ne l'avais pas vue. Oh, mais écoutez, c'est joli ici. C'est sympa, c'est pas mal, franchement. Alors, il y a un villageois là-bas. On va essayer de s'en approcher pour lui parler. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Charlie. Hey Charlie. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il nous propose des émeraudes contre des œils de l'Inde. Donc à mon avis, il va falloir trouver des émeraudes tout simplement pour pouvoir commercer avec Charlie. Alors j'explore juste un tout petit peu les environs. Ici, je sais pas ce qu'il y a, on va aller voir. Peut-être quelque chose de caché. Non. Il n'y a rien, c'est pas grave, demi-tour. On va s'intéresser à l'autre côté. Ah, il y a un coffre ici, on va aller prendre ce qu'il y a dedans. En espérant que cette fois-ci ce ne soit pas un piège. Non, c'est pas un piège. Il y a juste quelques bols et des os. Donc bon, je les récupère, on sait jamais, ça peut nous être utile. Et à mon avis, il va falloir grimper à l'escalier.
Alors j'ai vu qu'il y avait un checkpoint juste avant. On va vérifier qu'il n'y ait rien d'autre, que je n'ai rien raté. Bon Charlie, c'est vraiment tout ce que tu nous proposes? Bon, c'est pas grave. Eh bien écoutez, on va sauvegarder au checkpoint. Voilà. Qui est fait, et puis on va grimper. Alors, moi je vais continuer à prendre les escaliers. On verra après pour faire le petit parcours qui se trouve ici. Hop là! J'ai réussi à sauter sur la plateforme du premier coup. C'est un miracle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a. Alors. Une potion de poison. Une gold nuggets et du melon. Bah écoutez, je sais pas trop à quoi ça va nous servir tout ça. Bon, en tout cas, on. Voilà. En tout cas, c'est fait. On a récupéré ce qu'on devait récupérer. Je redescends et cette fois-ci on va faire le petit parcours de d'obstacles avec l'échelle. Hop. On va grimper ici. Alors, on va essayer de sauter sans se ramasser par terre. Ce serait pas mal. Hop, hop. Et bah écoutez, c'est impeccable. Et nous voici dans les égouts. Donc bah c'est parti, on va s'aventurer un peu plus loin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monstres. Ça m'inspire pas trop confiance. Alors là, oh là, ça y est. Hey, tu crois que je t'ai pas vu toi là-haut? Bien sûr que si. Alors, l'araignée, elle m'inspire pas confiance, donc du coup, je vais m'aventurer par là avant. Je sais pas si c'est une bonne idée, peut-être pas. Alors, prenez ces melons si vous voulez. Je n'en ai pas besoin. Ils ont été trempés pendant. Ouais, ils ont été sous l'eau pendant longtemps en fait. Alors je sais pas de quel melon il nous parle en fait. C'est ça le problème. Je vois pas de quoi on nous parle. Peut-être les melons qui sont en bas. On verra tout à l'heure si on en a besoin. En tout cas, on va aller prendre l'échelle qui est là-bas. Hop! Hop là, et un coffre. Oh bah écoutez, il y a pas mal de trucs dedans. On va tout récupérer. Ça peut nous être utile. Oula. J'ai quelques lags. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce qu'il y a sur ce toit, hein. On va redescendre. Puis bah va falloir qu'on affronte l'araignée, malheureusement, hein. On peut pas y échapper, je crois. Donc c'est parti pour le combat contre l'araignée. Ah mais je crois qu'elle est bloquée en fait. Ah, attendez, avec un peu de chance, je peux l'avoir juste comme ça. Ah, à mon avis, ça va être difficile. Ah là, on voit une patte. Allez, je peux la toucher là. Et je vais peut-être vous éclairer un peu. Vous manquez peut-être un peu de lumière. Voilà, je l'ai touché. Alors je l'ai pas encore tué, il reste encore un ou deux coups à lui donner. Bon écoutez, c'est pas grave. Elle va venir, elle va descendre peut-être. Ouais. Elle saute. En tout cas, avec le ressource pack, elle fait assez peur cette araignée. Bon, on l'a eu sans trop de difficultés, on va continuer. Hop, si j'arrive à sortir de l'eau. Notre chemin, et on arrive avec un nouveau coffre. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon appétit! Oh! Et on a une carte. Alors, je vais commencer par ouvrir la carte. Oh, regardez comme ils sont mignons, les petits cochons. Et puis bah, maintenant, on va lire le livre. Je suis impressionné que vous soyez venu jusque-là, après tant d'efforts juste pour une patate, en mangeant que des champignons et des melons. Ça doit être un peu ennuyant, je suppose. Que dites-vous de quelques côtes de porc? Elles sont si fraîches et toujours tièdes. Oh, et aussi, je viens juste de voir ce villageois, Hop-Tsop, hier, et ses voisins. Est-ce que la photo vous semble familière? Bon appétit, prince d'Orléac. Donc la photo, si je me souviens bien, on l'avait trouvée dans la maison justement du villageois.
C'était la famille cochon, donc à mon avis, il s'agit de la famille cochon qu'on a dans les mains, les pauvres. Alors on a quelques chiens, on va essayer de les adopter, alors que quelqu'un est recherché. Don't you dare to touch the... Ok, alors on va essayer de les adopter. Hop, hop, raté, celui-là c'est bon. Raté, raté, oh là là. Ok, on va essayer d'en adopter un maximum. On sait jamais, ils peuvent nous être utiles lors de combats. Alors j'ai pas assez d'os pour tous les adopter, mais on en a déjà pas mal. Alors c'est parti, on continue par ici et on arrive dans un endroit plein de bois. Je pense qu'on se rapproche de la bibliothèque. Voilà, étranger recherché. Oh! Hot dog, moutarde gratuite. On va continuer juste un tout petit peu par là. Ok, le poulet, the funny chicken en fait. Eh bien écoutez, ah non, tombe pas toi, ce serait vraiment dommage. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser ici. Ah bah c'est malin, les chiens commencent à se prendre des dégâts. Je pense qu'on va se laisser ici pour le premier épisode et puis on se retrouve dans l'épisode suivant pour la suite de notre aventure. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut à tous!